Salut à tous, vidéo culturelle, musico-culturelle numéro 4. Là, pour l'introduction, je tiens à remercier à la fois Sir Gibbsy et une chaîne qui s'appelle Le Matérialiste, que j'ai découvert via Sir Gibbsy. Je vous mettrai les chaînes en question dans ma descriptif. Il parlait des gramophones, justement, Le Matérialiste. Il parle des objets de la vie courante, et donc il parlait des gramophones et par extension des disques vinyles. Grand collectionneur de musique, comme je l'ai précisé, j'ai eu envie de vous montrer les plus beaux vinyles de ma collection. On peut dire même des collectors. Vous savez, les vinyles sont revenus à la mode et il y a des groupes un peu récents comme les Avs Moscovic qui ont sorti leur album vinyle. Voilà, j'essaie de mettre encore près en grand. Vous allez voir la date, c'est à 750 exemplaires et c'est un album assez récent. Il doit dater de 2013-2014 de mémoire. Alors, que je vous dise ça. Non, voilà, l'information est là. 2013. Et c'est un vinyle qui est très joli. Je vais essayer d'attraper par les côtés, voilà. Essayer de mettre par les côtés, en évitant de mettre les doigts dessus. Voilà, vous pouvez voir, c'est un vinyle vert. Ça par contre, un peu. Voilà. C'est un groupe de post-rock français dont je parlerai bientôt. Je remets dans sa pochette, c'est pas évident, parce que le disque de 30 cm, ça prend de la place. Voilà, donc vous avez la pochette d'un côté. Je ne sais pas s'il reste encore des exemplaires vinyles, mais c'est un groupe de post-rock. Donc, là, il va falloir que je reçoive la pochette parce qu'elle s'est un peu déchirée en bas. Voilà. Voilà, c'est un groupe de post-rock français, donc je vous parlerai bientôt. Je range tout. Qui est produit par Strandflat. Voilà. Et le titre de l'album est très parlant. C'est Là où les idées vertes incolores dorment furieusement. C'est du post-rock. Voilà, donc ça, je le range. Donc là, je vais y aller par ordre antéchronologique, en clair des albums les plus anciens, enfin les plus récents, les plus anciens que j'ai dans ma collection, dans mes collectors. Donc, je vais commencer par un album d'un groupe que j'aime beaucoup, que j'étais voir d'ailleurs à Nîmes, Dead Can Dance. Ça, c'est leur album, leur deuxième album, c'est Spin and Ideal. C'est l'édition de 82, c'était en 83, je crois me souvenir. L'album 83-84. Je vois pas. Je vais en regarder. Voilà, donc vous avez la pochette d'un côté et de l'autre. Pour ça, c'est un simple vinyle. Hop, ça, la pochette s'est décollée, il va falloir que je la recolle aussi. C'est un simple vinyle. Voilà. Donc, c'est 1983. Je vais essayer de faire un zoom sur la date. Voilà. C'est 1983. Un 33 tours des Beggars Banquet. Voilà. Et de l'autre côté, c'est ça. Bon, désolé, ça reflète un peu avec l'image. Mais ça, je peux rien. Je peux pas grand-chose, c'est comme ça. Et une pochette de plus à recoller. Ça se voit que ça fait son âge. Donc, c'est l'album de 83. Le deuxième album de Dead Can Dance après l'album éponyme. Voilà. Voilà le pile et la face. Ça, je l'avais trouvé, j'étais content. Alors là, on va remonter dans le temps d'une dizaine d'années. Et là, un grand classique, Man in Japan de Deep Purple. Voilà. Et c'est une édition de 1973, une édition originale qui est impeccable, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et je vous apporte la preuve que c'est bien une édition originale. La personne qui me l'a vendue avait changé les pochettes. Donc j'espère que je vais arriver à vous centrer sur la date de. Voilà. Donc là. J'espère que ça va arriver. Je vais essayer de le centrer un tout petit peu. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà. P1973. Je le retourne. En essayant de mettre à l'endroit. C'est pas évident parce que les deux étiquettes n'étaient pas à l'endroit l'une de l'autre. Voilà, ça. Oh, désolé. Ouais, donc vous voyez, c'est carrément le célèbre, enfin, le logo de Deep Purple. Le double CD de 1973. C'est quand même un beau collector. Ça prend un peu de place. Mais comme j'ai connu les vinyles, puis les cassettes stéréo, les CD et maintenant les MP3, enfin les musiques numériques, je peux dire que j'ai un peu tout connu côté enregistrement. Pas les 78 tours par contre. Et maintenant, l'un des albums les plus anciens de ma collection, un Floyd. Il est un peu abîmé, la pochette a quand même fait son âge, la pochette. Et vous reconnaîtrez sûrement l'album, si vous connaissez un peu les Floyd, c'est bien sûr Umaguma, un double CD. Avec les Floyd à l'époque, voilà, j'essaie de mettre d'un côté puis de l'autre.
Voilà. Et c'est une édition de 1969-70. J'essaie de sortir la pochette, évitant de massacrer ensemble. Là, j'ai remplacé par contre les pochettes parce que les anciennes étaient mortes. Voilà. Donc là, ça sème. Ce disque peut être utilisé avec un lecteur mono. Je vais tourner un peu comme ça. Vous pouvez le voir comme ça directement. Voilà, vous voyez bien. Je zoome un peu. Voilà. C'est marqué stéréo. Ce disque peut être utilisé avec un lecteur mono. Oui, on parlait à l'époque de mono et de stéréo par rapport à la possibilité d'avoir un ou deux haut-parleurs fonctionnels. Donc là, bon, bien sûr, c'est l'édition Harvest, édition française. Et la date de fabrication, si on regarde au dos, voilà, je vais le mettre au-dessous pour le pointer en espérant que vous le voyez. C'est pas super évident. C'est 1969, avec bien sûr au dos l'ensemble. Donc voilà, c'était mes vinyles préférés. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye!